À quand le retour du tambour parleur Didi Awokwe en Côte d'Ivoire? La question a été au centre d'une discussion entre la présidente de l'Assemblée nationale française et la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. C'était le dimanche 2 avril à la résidence de France à Cocody. Écoutez, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de tout ce processus qu'il faut que nous suivions. Je crois que ce qui est important justement dans le cadre de ces restitutions, c'est que les deux parties puissent cheminer ensemble pour que cela se fasse en bonne intelligence. Et donc là, maintenant, il faut que le gouvernement nous présente une loi, donc un projet de loi qu'il présente au Parlement et qui puisse être discuté et adopté par nos deux chambres. C'est un processus qui n'est pas si long, mais qu'il faut respecter. Nous avons évoqué le sujet du retour de notre tambour, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui totalement restauré. Et au musée du Quai Branly, est donc prêt à rejoindre la terre de ses ancêtres et la communauté. C'est une fierté nationale, c'est une cause nationale. Et comme vous le savez également, le process doit passer par une loi auprès de l'Assemblée nationale française. Et c'est à ce titre aussi que nous avons échangé pour imaginer ensemble le mode de retour. La sensibilisation avait déjà été faite par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne auprès de Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Et très bientôt, j'aurai l'occasion d'aller rencontrer mon homologue du ministère de la Culture en France, puisque, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée nationale, c'est elle qui va présenter cette loi au Parlement qui devra être voté par la représentation nationale française. S'il a déjà été restitué ainsi que plusieurs autres objets de la Côte d'Ivoire, le retour du tambour parleur ne pourra être effectif qu'après le vote d'une loi à l'Assemblée nationale française. Confisqué en 1916 par l'armée française à la communauté ébriée et conservé ces dernières années au musée du Quai Branly à Paris, le tambour ivoirien Didi Awokwe devrait être restitué au musée des civilisations de Côte d'Ivoire courant 2023. Les deux personnalités ont aussi abordé les questions de coopération culturelle entre leurs deux pays, notamment l'employabilité de la jeunesse ivoirienne dans le secteur de la culture.